On va enchaîner tout de suite avec la présentation des partenaires. Donc, on a souhaité qu'ils se présentent de manière générale, puisque vous allez tout à l'heure les rencontrer en fonction de vos choix, puisque vous avez été sollicité pour des choix. Donc, on voulait quand même que chacun d'entre eux, et je les remercie pour ça, pour votre présence ce matin, se présente rapidement à l'ensemble des participants. Voilà. Donc, on va enchaîner sur ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis Florence, je vais faire simple, je suis la référente FEDESCOL. FEDESCOL, c'est une association qui a pour vocation d'inspirer, relier et soutenir les gens qui veulent concourir à un monde respectueux de l'environnement. C'est à ce titre qu'on s'est vu confier la mission d'être le relais pour la Polynésie française d'éco-école. C'est donc ça dont je vais vous parler, donc ce projet qui me tient à cœur évidemment. Pour info, beaucoup d'établissements en Polynésie française sont déjà inscrits, au nombre de 54 aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je suis heureuse d'intervenir, c'est que d'abord, il y en a beaucoup qui pourraient s'inscrire, parce que ECO, ce label, je ne suis pas un partenaire tout à fait comme les autres, en cela que moi, je ne viens pas vous proposer aucun service. Je n'interviens a priori pas devant les écoles. En revanche, il y a des synergies évidentes entre la démarche ECO-école et la démarche dont vous avez parlé toute la matinée. Éco-école, finalement, c'est une démarche globale. Qu'est-ce que c'est Éco-école ? C'est un label, mais c'est surtout une démarche d'éducation au développement durable dans laquelle s'inscrit pleinement tout ce qu'a dit Hugues et dans laquelle pourraient s'inscrire les actions de tous vos partenaires. Si j'interviens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous rappeler ce que c'est qu'Éco-école, vous expliquer ce que c'est Éco-école. Donc, un label qui vient récompenser une démarche d'éducation au développement durable. Comment ça fonctionne ? On choisit un thème autour duquel on va faire des actions tout au long de l'année, en s'aidant d'une méthodologie simple et coopérative. Voilà l'essentiel. Avec pour seul objectif de mettre les élèves au cœur du changement. Partant du principe que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes demain, on compte sur eux pour rendre ce monde meilleur. Donc, leur faire prendre conscience de l'impact qu'ont leurs choix sur la planète, parce que pour ma génération, c'est déjà un peu tard, hélas. Autrement dit, leur donner l'occasion, en étant au cœur du dispositif, d'essayer des choses, d'expérimenter, d'observer, accessoirement, de développer des compétences comme la prise de parole, etc. Mais tout ça autour d'actions très concrètes, centrées sur donc le thème qui aura été choisi pour l'année. Voilà. Il y a une étude qui vous dit tout le bien que ça fait pour les établissements, les parents, les élèves. Je l'ai à votre disposition. On passe. Le plus important, pour les deux minutes qui me restent, c'est de partager avec vous cette étude. Je viens du monde de l'industrie, pour info, hors de cette action que je fais à titre bénévole. J'ai donc cherché à comprendre pourquoi, bien que le nombre d'établissements croisse chaque année, ce qui me fait plaisir, puisque ils en étaient 14 en 2014, ils sont 54 établissements inscrits aujourd'hui. Mais hélas, si beaucoup restent inscrits, parce que la réinscription est automatique, je note un fort taux d'essoufflement ou d'épuisement de la part des porteurs de projets. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir à cette matrice qui vient du monde de l'industrie, qui met en évidence les forces, bien sûr, de cette démarche auxquelles je crois, mais également les points de vigilance que je vous demande d'exercer si vous êtes dans un établissement qui est déjà dans la démarche. Je vous invite à revisiter ces idées. Si vous n'êtes pas dans la démarche et que vous avez envie d'y aller, ben c'est l'occasion de partir sur le bon pied. Les forces, un label international, ce label existe depuis 25 ans, une méthodologie qui est donc largement éprouvée, des outils à votre disposition, un réseau local, un accompagnement, tout ça, vous l'avez. Les faiblesses, une faible valorisation des équipes impliquées. Qu'est-ce que c'est les équipes ? C'est bien sûr les équipes pédagogiques, mais pas seulement. C'est les agents, c'est le personnel enseignant, les enfants. Et puis un manque de communication sur les projets. Alors, ce n'est pas général. Il y a des écoles ou des établissements qui font ça très bien. Mais il y a pas mal d'établissements qui ont, je crois, mal compris le rôle ou la vocation d'un projet comme celui-là. Donc, pour faire une analogie, un parallèle avec cette phrase de Sénèque, « Il naît de bon vent pour qui ne connaît pas son port », sur un projet comme celui-là, il importe pour moi que le chef d'établissement ait le rôle d'armateur. Donc, qu'est-ce que c'est que l'armateur ? C'est quoi son boulot ? Il définit la vision, il a envie de faire ça pour son établissement. OK, il peut pas, c'est pas lui s'en occuper, c'est pas son travail, donc il va nommer un capitaine de bateau. Ou choisir, ce serait mieux qu'il le,
qui demande un volontaire pour être capitaine du bateau. Une fois qu'il a son capitaine, il faut quand même qu'il lui donne le bateau. Et s'il ne lui fournit pas l'équipage, qu'il lui donne un peu de moyens ou qu'il crée les conditions pour que le capitaine puisse trouver un équipage, éventuellement quelques vivres pour la première traversée. Ça, c'est le boulot du chef d'établissement. Fixer le port, donner les moyens à quelqu'un qui est volontaire d'amener le bateau à bon port. Hélas, j'entends parfois que les référents éco-écoles, donc on va dire les capitaines, qui ont choisi ou qui se sont vus désignés d'office pour mener l'établissement, pour mener la démarche, se retrouvent un peu seuls. Et quand ils demandent de l'aide, on leur dit bah, « c'est ton problème, hein, c'est toi le référent éco-école ». Alors évidemment, dans ces conditions-là, ils terminent l'année comme ils peuvent, ils demandent le label ou ils ne le demandent pas, ils n'ont qu'une envie, passer le relais ou changer d'établissement ou rentrer en métropole. Alors évidemment, moi, dont la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je souhaite que chacun d'entre nous, nous soyons inspirants autour de nous et qu'on amène un maximum de gens à concourir, à rendre ce monde... enfin, à être plus respectueux de l'environnement. Donc, l'idée n'est pas de courir après un label une année en trouvant quelqu'un qui va se défoncer pour y arriver, c'est de faire en sorte que nos enfants apprennent de leurs actions, de ces apprentissages qu'ils auront développés autour de la méthodologie éco-école. Donc, voilà. Donc, les menaces, le manque de soutien de la direction, s'il y a des directeurs dans cette salle, entendez le message. Il ne s'agit pas que vous soyez référent éco-école, il s'agit juste que vous aidiez, souteniez celui qui aura cette mission. Manque d'implication des autres acteurs, nombre de projets, évidemment, si on veut tout faire, qui trop embrasse mal étreint, disait ma maman, c'est pas faux. La résistance au changement, c'est un problème que vous connaissez, je crois. Mais par chance, il y a beaucoup plus d'opportunités que de menaces pour mettre en œuvre un projet éco-école. Les synergies évidentes entre éco-école et S4C, on dit, ou S3C, S4C, je crois, maintenant, notamment le fait qu'on mette les élèves au cœur du dispositif, en les rendant plus auteurs que simplement présentiels, en leur donnant de l'autonomie, en développant leur capacité d'observation et d'expérimentation, en développant la transversalité, évidemment, entre matières, la coopération entre professeurs, mais aussi des partenariats externes, ou en changeant le regard sur le personnel, même le personnel administratif, les agents, en les amenant à travailler ensemble sur des projets. Vous avez plein d'outils, les SESC, les clubs ambassadeurs, plein d'idées pour rendre la chose vivante. Ça, c'est du point de vue pédagogique. Du point de vue d'établissement, c'est mon dernier slide, c'est promis. C'est l'occasion de se démarquer, de fédérer autour d'un projet fort, impactant, pour l'école, pour les élèves, pour les profs, pour la planète, enfin bref. Et puis, c'est l'occasion de célébrer aussi, parce que des petites victoires, comme le label, et c'est pour ça que je vous invite à le demander si vous êtes dans la démarche, c'est l'occasion de valoriser tous ceux qui ont contribué, des gens qui sont souvent dans l'ombre, les agents, les personnels administratifs, les élèves qui ne sont pas forcément les meilleurs ou qui n'ont pas forcément des bonnes notes, qui verront par là l'occasion d'être valorisés, de développer leur estime d'eux-mêmes ou leur confiance en soi, qui est une bonne façon d'avancer dans la vie. Et accessoirement, ça peut faire des économies. Facture d'eau, facture d'électricité, moins de gaspillage alimentaire. Donc bref, pour toutes ces raisons, je vous invite à y réfléchir, à venir me voir après, à prendre mon flyer, et je passe la main au suivant. Alors, je suis Alexis de l'association Fénois Bio. Je suis spécialisé en permaculture. Donc, j'installe ou j'adapte des projets potagers autour de la permaculture ou en fonction du projet choisi. Donc, je cherche des solutions. J'ai fait une petite vidéo qui ne dure pas longtemps, juste 5 minutes, qui englobe un petit peu tous les petits domaines auxquels je peux participer. Alors, le but de la permaculture, c'est culture permanente, donc c'est toujours de créer des potagers ou un environnement humain ou agricole de manière à ce que ça puisse se reproduire d'année en année. Et créer surtout un environnement qui soit durable. Thank you.
compost à chaud. C'est une science de semi en classe. Ça peut être en extérieur, peu importe. De la terre, ça commence par l'observation, le soin de la terre. Donc souvent ce que je montre aux élèves, c'est souvent le ver de terre. Donc chaque élève touche un petit peu les terres. On voit d'ailleurs quelques photos sur le banc, et ça leur permet vraiment de se reconnecter au sol, et que le sol il est vraiment fragile, subtil, et vraiment en prendre soin. Et pourquoi en prendre soin? Ben, si on a un sol qui est fort et riche, à ce moment-là on aura une alimentation qui est forte et riche. Là, c'est le lambic composteur. Là, on a souvent des réactions assez joyeuses. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils touchent les différentes matières du sol. L'idée, c'est de créer un sol qui est vivant. C'est une imitation de la nature pour arriver vers la pleine terre. Donc, ces baklav leur permettent de vraiment toucher les différentes strates de matière et de le découvrir au travers du toucher et de la description. Merci. Moi, c'est Hereria Elm. Donc, j'ai fait une thèse l'année dernière sur l'impact des aménagements hydroélectriques sur les anguilles. Donc, c'est pour ça que j'ai été engagée par Maramanui, où je suis passée dans plusieurs écoles. J'ai fait plusieurs interventions dans le public, dans la fête de la science. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu. Où j'emmenais plutôt un aquarium où je mettais toutes les espèces qu'il y a dans nos rivières. Parce que je trouve que les enfants, ils vont à la rivière, même les adultes, hein, mais nous ne faisons pas attention à notre environnement, ce qui se passe dans la rivière. Par exemple, ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient, par exemple, en Benin Lane A, qu'il y avait 5 espèces, 4 espèces de chevrettes,
Donc voilà, je montre aux enfants en fait ce que nous trouvons dans nos rivières, qu'il faut faire attention. Mais aussi, on emmène une maquette donc, d'une microturbine où on apprend un peu comment fonctionne l'hydroélectricité. Parce qu'ils vont dans la vallée, ils voient des barrages, mais ils ne savent pas en fait c'est quoi. Ils pensent que c'est juste des marches comme ça, ce sont des bassins et tout. Donc on leur apprend tout ça. Et donc parfois, il y a certains profs qui font un programme où ils vont au Farihapé. Donc ils font un programme aussi lié à la culture, parce que nous sommes en partenariat aussi avec l'association Haoruru. Donc ils font un espace culture et je fais avec eux de la pêche électrique. Voilà, où en fait on voit que dans la rivière on ne voit rien, ça ne veut rien dire, parce que dès qu'on fait un peu de la pêche électrique, eh ben, y a tout qui ressort. Donc on voit que nos rivières sont vivantes. Donc voilà, donc, c'est ce message qu'on veut faire passer, et même aux profs, je leur donne un catalogue pour reconnaître nos espèces de rivières. Voilà. Merci. Bonjour, bonjour. Donc moi, je suis là pour représenter l'association Pepe No Teora. L'association Pepe No Teora est une association qui a été créée. Alors, je vais quand même regarder l'ordinateur. En mars 2003, hein, par Tita Ouachin et Eva Vitumoria. Et son objectif premier, c'était la protection de l'environnement et du lagon. Elle est aujourd'hui bien implantée et le sentier sous-marin qui a été créé est appelé aujourd'hui sentier pédagogique sous-marin au PK18 de Punaouya. Donc ses objectifs sont d'une part la protection et la préservation de l'environnement lagonnaire et bien entendu la sensibilisation des jeunes au respect de l'environnement ainsi qu'au rôle associatif et au civisme. Donc les actions de l'association, premièrement, c'est le sentier pédagogique sous-marin avec des ateliers sur la plage. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, sur la plage et dans l'eau. Donc pour information, nous avons reçu en 2018 350 élèves des écoles primaires, secondaires, et nous en avons encore 600 prévus d'ici le mois de juin. Donc il y a quand même un beau succès. Nous proposons sur la plage des ateliers. Alors un atelier qui parle principalement des chaînes alimentaires, des réseaux alimentaires dans le lagon. Un autre atelier qui concerne plutôt la pollution et les déchets, le traitement des déchets. Donc évidemment tout ce que l'on retrouve sur nos plages et dans nos lagons. Et le troisième, c'est la découverte de la biodiversité dans l'eau. Dans le sentier pédagogique, donc, avec deux animateurs en général qui encadrent un petit groupe d'élèves. Donc, la plupart du temps, la classe est divisée en trois groupes. On a deux groupes sur la plage et un groupe dans l'eau, et puis ensuite ça tourne. Quoi. L'association propose aussi une fois par mois aux bénévoles. Des opérations d'arrachage de turbinaria. Donc la turbinaria, c'est une algue invasive qui a tendance à proliférer dans nos lagons et à faire de l'ombre aux récifs coralliens, aux patates de corail. Donc en fait, on l'arrache, on la récolte dans des bacs. Ça peut servir d'engrais, c'est un excellent engrais. Je sais pas si... Voilà, ben, j'ai expérimenté dans mon jardin, ça marche très bien. Et puis aussi, bien entendu, un nettoyage de la plage du PK18 qui en a bien besoin, surtout après les week-ends. L'association gère aussi les panneaux qui sont sur la plage, ainsi que les poubelles du PK18. Ça, il faut le savoir, parce que c'est les gens qui viennent sur la plage ne savent pas toujours que ces poubelles sont vidées et entretenues par les membres de l'association. Donc, il y a aussi des suivis RIFCHECK. Le RIFCHECK, c'est un programme international qui travaille avec communautés locales, gouvernements et entreprises pour assurer le suivi scientifique, l'amélioration et la préservation de la santé des récifs coralliens. Ce sont des opérations qui se font en général une fois par an par des personnes formées qu'on appelle des éco-divers. Et donc, il y a eu un RIFCHECK qui s'est fait ce samedi-là dernier, le 26 mai. Une petite précision, hein. Je suis Thierry, je suis le président de l'association Pepe No Teora. Concernant le RIFCHECK, le relais c'était Mana Ute Moana, hein. On est en partenariat, d'accord, hein. Et c'était important de le souligner. Hein.
Alors, dernière partie, c'est celle qui va surtout vous intéresser. Ce sont les liens des activités de Pepino Teora avec les programmes. Bon, rapidement, parce que je les ai quand même un petit peu résumés. D'abord, il y a dans le cycle 2, c'est la partie questionner le monde, qui concerne les trois états de la matière, les caractéristiques du monde vivant, diversité, développement, le cycle de la vie, les régimes alimentaires, les besoins vitaux, les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Donc tout ça, évidemment, ce sont des connaissances qui peuvent prendre appui sur ce sentier sous-marin, puisque, et évidemment, les écosystèmes récifaux. Bon, les compétences, elles sont multiples, et c'est celles qui vont revenir aussi dans les autres cycles. Pratiquer des démarches scientifiques, observer, imaginer, réaliser, choisir et utiliser le matériel, pratiquer des langages, adopter un comportement éthique et responsable, se situer dans le temps et dans l'espace. En cycle 3, en SVT principalement, je dirais que nous pouvons, nos activités peuvent prendre appui sur le thème 2, le vivant, sa diversité et les fonctions qu'il caractérise, et le thème 3, la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement. Les compétences travaillées sont à peu près les mêmes que dans le cycle 2. Je ne vais pas toutes les relire, vous connaissez tout ça. Dans le cycle 4, premier thème, phénomène météorologique climatique. Évidemment, avec le réchauffement climatique, le blanchissement des coraux, c'est quand même, ce sont des exemples qui sont assez concrets quoi, hein, pour appuyer ces parties-là. Donc les écosystèmes, les problèmes environnementaux, évidemment les impacts de l'homme sur son environnement. Dans le thème 2, le vivant et son évolution, on parle de la nutrition des organismes, les modes de reproduction et la dynamique des populations. Dans le lagon, de multiples exemples peuvent concerner ces parties-là. Les compétences travaillées, toujours les mêmes. Alors, les liens avec les autres disciplines, elles sont aussi assez conséquentes. Sans doute, il y a sans doute pas tout, là. Mais voilà, par exemple, en histoire géo, en collège, le thème 3, espace transformé par la mondialisation, les mers et les océans, l'anthropisation des mers et l'exploitation des ressources en quatrième. Et en UMC, l'engagement, c'est-à-dire agir individuellement et collectivement, les responsabilités individuelles et collectives face aux risques, en quatrième aussi. En lycée, j'ai repéré en seconde la biodiversité, bien sûr, des écosystèmes, l'effet de serre, le réchauffement climatique et le blanchissement des coraux. En SES, dans le thème 3, en première, coordination par le marché, c'est-à-dire comment estimer la valeur des services rendus par les récifs coralliens. Ils sont multiples. En enseignement d'exploration aussi, qui produit les richesses. En physique-chimie, l'eau et l'environnement, la mise en évidence d'échanges permanents entre l'atmosphère et les océans. Je ne sais pas s'il y a des professeurs de lycée ici. L'impact de l'activité humaine sur les organismes calcaires composant le corail. Des pistes supplémentaires, évidemment, très importantes. Le français, ça paraît évident. En cycle 4, donc l'être humain est-il maître de la nature en cinquième, la mer, lieu de tous les possibles en quatrième. Et en troisième, je vais te laisser peut-être le développer. Oui, parce qu'il n'y a pas que les matières scientifiques qui sont représentées, bien sûr. Hein. Les matières littéraires sont présentes. En troisième, notamment un EPI, par exemple, que nous avons fait au Collège Henri Hiro cette année, avec la chanson engagée et l'environnement. Ce qui permet d'impliquer nos jeunes, bien sûr, dans le processus environnemental, mais aussi et surtout de défendre à l'oral à l'occasion du DNB, hein, maintenant au Diplôme National du Brevet. Il y a justement un EPI choisi par nos jeunes collégiens de 3e sur lesquels ils vont, on va dire, développer oralement devant un jury composé de 2 personnes. Donc ils choisissent un EPI et donc nous les préparons justement à cet EPI qui, lui, peut être lié de manière directe ou indirecte au thème environnemental. Voilà. Voilà.
Bon, t'inquiète. Tout le monde m'entend, je pense. Ça va ? Non, pas toi, là-haut ? Ah, OK, pardon. Donc, on est une association qui existe depuis plus de 14 ans. On est basée sur Montréal. On travaille dans trois thématiques, les récifs coralliens, les tortues marines et les mammifères marins. Beaucoup de classes nous connaissent pour des projets pédagogiques ou des sorties scolaires. On a deux grands volets. Accueillir les classes en programme pédagogique sur site. Donc, tous nos programmes sont validés par la DG2E, anciennement DEP, depuis plus de 14 ans maintenant. Et ensuite, on essaye chaque année de développer des projets pédagogiques où on se déplace, nous, dans les établissements. On essaye de créer en amont des outils. Alors, vous êtes tous enseignants, je ne vais pas vous le dire à vous, mais on le sait, notre programme scolaire, il est assez basé par rapport à la France. C'est un peu dur de comprendre à protéger notre fénois si on ne le connaît pas bien. L'objectif, c'est de vous donner des ressources adaptées au contexte local, à notre Polynésie. Si on vous parle de la baleine à bosse, celle qui vient de l'Antarctique, qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va ? Les tortues, c'est nos tortues vertes, où elles vont, qu'est-ce qu'elles font ? Pour que vous ayez, vous, tous les outils pour pouvoir développer votre projet de classe avec les élèves. Donc, en gros, on va dire que les interventions se font ou en amont de la venue ou après votre étude de projet. On développe beaucoup d'outils pédagogiques qui sont aussi en téléchargement sur les sites, qu'on fait en français, en anglais et en tahitien le plus souvent possible, pour pouvoir impulser aussi les enseignements en anglais et en réo. On essaye aussi, depuis maintenant un an et demi, d'impliquer beaucoup nos enfants dans les sciences participatives, c'est-à-dire de faire un peu ce lien nature-culture, et de les impliquer pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la protection de leur fénois à travers des participations dans des petites méthodes scientifiques. Alors, tout à l'heure, Pepe Noteora vous a parlé de RiffCheck. RiffCheck, on coordonne le réseau depuis 3 ans maintenant. L'idée, c'est d'essayer de former les gens, donc, ou des adultes, hein, qui ont envie de s'engager et de protéger leur récif, et surtout de savoir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, et d'avoir un retour. L'objectif, c'est aussi de faire le lien avec les scientifiques, hein, parce que souvent, on fait des choses, mais on n'a pas le retour. Donc là, c'est vraiment de faire tout ce lien entre ces scientifiques, entre notre nature, entre notre culture, pour comprendre, à recenser nos populations, comprendre à quoi ça sert, comprendre ce qui disparaît et pourquoi il faut le protéger. Donc ça va être récif corallien, tortue marine ou mammifère. On commencera avec une partie en salle, on va parler un peu de connaissances basiques monde marin. Ensuite, on fera adaptation des outils qu'on a créés, donc plus d'une cinquantaine, dans les programmes pédagogiques ciblés, donc cycle 1, cycle 4, même universitaire, pour tout ce qui est traduction en réo et en anglais. Et ensuite, on ira visiter le centre de soins et on vous mettra dans l'eau sur le sentier sous-marin. Donc, s'il y en a qui ont peur, hein, qui nous disent demain. Voilà. Maruru à tous et à demain matin. Passez une bonne journée. Yaran à tout le monde. Manihi Beke le phoque. Certains, peut-être parmi vous, me connaissent, puisqu'effectivement, j'ai souvent travaillé en fait, avec l'éducation, la santé et l'agriculture. Donc, je suis aujourd'hui directrice de Azaï Conseil. Et je suis également fondatrice du village de l'alimentation et de l'innovation, dont la première édition s'est tenue l'année dernière. Et l'acronyme, en fait, Azaï signifie « Agir pour la santé et l'avenir de nos enfants ». C'est en fait ce qui m'a motivée à me lancer à mon compte, on va dire, parce que je souhaitais voilà, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, on va dire ça comme ça. Donc, Azaï est une entreprise individuelle qui a été créée en août 2015, avec donc comme principale activité la conception, la gestion, le suivi de projets, mais également l'organisation d'événements. La mission principale d'Azaï, c'est en fait de promouvoir des comportements alimentaires sains et durables en initiant, proposant donc des projets ou en accompagnant des projets qui sont liés à l'alimentation et qui sont d'intérêt général. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les projets en lien avec l'alimentation pour leur apporter cette vision globale, on va dire, et transversale du sujet, puisque finalement, l'alimentation représente plusieurs enjeux. Il y a effectivement un enjeu éducatif, véritablement un enjeu de santé publique, mais c'est également un enjeu citoyen qui se cache, on va dire, derrière la thématique générale alimentation, un enjeu de développement économique et bien évidemment un enjeu de développement durable. Forcément, en fonction de ce que nous allons consommer, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, nous allons soutenir un mode de production, nous allons soutenir un mode de fonctionnement de la société, c'est-à-dire principalement basé sur de l'import ou sur la valorisation des produits locaux. Et puis, suite à la consommation de ces aliments, derrière, il y a toute une gestion des déchets. Donc, c'est vraiment c'est transdisciplinaire, le sujet de l'alimentation.
Et ce qui est important aussi de savoir sur l'alimentation, c'est que souvent, on l'aborde par le volet nutritionnel. Or, l'alimentation, ce n'est pas que des nutriments. L'alimentation, c'est également tout un tas de représentations et de croyances, et surtout, il y a un lien fort et un impact fort de la culture sur nos comportements alimentaires. Et je pense que c'est important de bien comprendre comment se construisent les comportements alimentaires, comment se construisent nos préférences alimentaires, pour pouvoir justement agir de manière efficace sur le sujet. Et ça commence très tôt. C'est pour ça que je tiens véritablement à travailler avec l'éducation depuis que je suis revenue de mes études, c'est ce que je fais, parce que ça commence tôt, et il me semble que par rapport notamment à tout ce que l'on a vu précédemment et ce qu'a présenté donc Monsieur Nivet, avec cette fameuse philosophie des établissements en démarche de développement durable, c'est important de commencer tôt et surtout que l'école soit un exemple dans sa façon de, pas de s'alimenter, mais voilà, de montrer aux enfants que, OK, on le dit en classe, on va faire des potagers pédagogiques, on va faire tout un tas d'actions, mais je trouve important d'apporter cette cohérence dans les moments de vie que l'on peut avoir à l'école, donc au moment du goûter ou même au moment du repas. Voilà. Donc finalement, nous travaillons avec plusieurs acteurs, donc les institutions, ministère de la Santé, de l'Éducation et de l'Agriculture, également les collectivités pour la partie restauration scolaire, les entreprises et les organisations et associations. L'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs pour pouvoir ensemble avoir une action beaucoup plus efficace et plus pertinente. Donc, je vous ai rapidement mis, en fait, de quelle manière ASAE intervient. Donc, on va participer à la conception ou accompagner des projets, comme je disais tout à l'heure, des projets pour la promotion d'une alimentation saine et durable. Par exemple, nous avons été sollicités par la direction de la santé pour lancer le projet Entreprise active pour la santé de ses salariés. Donc là, c'était en fait un projet qui nous avait été proposé et nous l'avons accompagné, assuré le suivi sur le terrain et réalisé l'évaluation. Mais nous initions aussi des projets. Donc il y a le village de l'alimentation l'année dernière que nous avons créé. Et là, nous travaillons sur un projet que l'on a intitulé Sens, savoir éduquer et nourrir sainement, pour véritablement proposer une démarche globale au sein des établissements scolaires. Donc on travaille à la fois avec les enseignants. Ça permet aussi d'optimiser, on va dire, l'utilisation et de poursuivre en fait l'exploitation des potagers pédagogiques qu'il peut y avoir dans certains établissements. Mais on souhaite également travailler avec le restaurant scolaire. L'idée, c'est que vraiment l'école soit un exemple, un endroit où, en même temps que l'on parle de développement durable, puisque c'est lié, comment est-ce qu'on prend soin de notre alimentation et surtout comment est-ce qu'on transmet à nos enfants ce goût pour des aliments de qualité, des aliments sains qui en plus ont un impact, on va dire, positif pour l'environnement. Voilà. On développe également des outils. Alors, ASAE n'a pas encore tout à fait 3 ans, mais on a participé à l'élaboration, par exemple, du rapport global, on voit pas très bien, sur la restauration scolaire dans le premier degré. Nous avions été sollicités par le SPCPF, puisque nous avions, à l'époque, j'avais travaillé sur un projet justement avec les restaurants scolaires. Et puis, actuellement, nous travaillons à l'élaboration d'un programme de classe du goût, ce qu'on souhaite donc développer dès la rentrée prochaine. Au sein des écoles et ça viendra parfaitement compléter tout ce qu'il existe déjà sur le sujet. Nous participons également, ou en tout cas, soit on organise des formations, soit on peut proposer des formations aux différents acteurs concernés par la thématique de l'alimentation. Par exemple, l'année dernière, nous avions proposé une formation à l'éducation au goût, à laquelle ont assisté à la fois des professionnels de santé, mais aussi des enseignants. Il y avait des diététiciennes, des sages-femmes, psychologues et également des grands chefs locaux qui ont souhaité participer à la formation. L'objectif aussi d'ASAE, c'est de contribuer à une meilleure connaissance, une meilleure compréhension donc, du terrain et des comportements alimentaires pour pouvoir à chaque fois apporter des outils et l'information nécessaire aux acteurs pour que les choses avancent, on va dire, dans le bon sens. Par exemple, les classes du goût que nous allons lancer l'année prochaine, nous avons notamment prévu une étude qualitative pour tester ce fameux programme. Et nous avons également été sollicités par la communauté du Pacifique Sud pour les aider à réaliser une étude qui devrait a priori voir le jour pareil au mois d'octobre l'année prochaine avec les établissements scolaires pour mieux comprendre les comportements des enfants.
Nous participons également à la valorisation des initiatives des acteurs locaux. Donc, par exemple, dans une dizaine de jours, je m'en vais pour Nouméa pour participer à un symposium sur justement l'alimentation dans la restauration scolaire, organisé par la Neo Food Organisation. Et je prends avec moi, j'invite avec moi deux acteurs, on va dire, locaux qui travaillent sur l'alimentation durable. Et c'est un moyen aussi pour nous de faire connaître ce qui se fait ici et puis d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans la région Pacifique pour pouvoir revenir avec de nouvelles idées et de nouveaux partenaires. C'est ce qu'on fait également à l'occasion du village, puisque l'objectif du village, c'est ça aussi, c'est de valoriser des initiatives locales qui vont inspirer les acteurs, montrer aux autres que c'est possible. L'année dernière, nous avions invité des établissements scolaires à venir présenter des projets innovants sur la thématique de l'alimentation, le thème de l'année dernière étant « Alimentation et culture ». Et ça permet justement de mettre en avant ce qui est fait dans les écoles. Les élèves étaient intervenus par une présentation orale. Et ça, l'idée, c'est vraiment d'inspirer le plus de personnes possible pour leur montrer que ça existe, il y a des choses qui se font. Et que, comme le disait tout à l'heure Madame Vidal, c'est important de valoriser parce que parfois, ça reste à l'échelle de la classe ou de l'établissement, alors qu'il y a de très belles choses qui se font. Et je pense que c'est un moyen aussi de soutenir les acteurs sur le terrain. Et enfin, bien évidemment, nous organisons des événements. Donc, nous avons organisé les ateliers des états généraux de l'alimentation qui se sont tenus au mois d'octobre l'année dernière à la demande du ministère des Ressources primaires qui souhaitait participer aux états généraux de l'alimentation qui se tenaient en métropole. Mais on va dire, on a participé à d'autres événements, mais ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est le fameux village de l'alimentation et de l'innovation. Nous avions essayé de présenter les différentes dimensions que peut avoir notre alimentation avec donc des animations sensorielles. Et pour ça, nous avions travaillé avec l'Institut du goût de Paris. Il y avait bien évidemment les ateliers culinaires avec un petit concours pour les enfants pour stimuler cette envie de cuisiner. Et puis, nous avions des conférences, des exposants qui étaient là. Enfin, tout un tas d'animations sur 3 jours. Ça a vraiment eu beaucoup de succès. Les gens étaient contents. Pour l'instant, c'est temporaire. Je vous avouerai que moi, mon objectif, c'est qu'on arrive à avoir une structure permanente dédiée à l'alimentation qui puisse aussi agir et travailler avec les institutions, une sorte de relais, un partenaire et non plus un prestataire. Donc, je réfléchis au statut que je vais pouvoir trouver. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les institutions, de pouvoir faire, d'être à jour, on va dire, au niveau des connaissances sur l'alimentation et les comportements alimentaires et de pouvoir transmettre cette information à travers des ateliers, des séminaires, des animations et participer au projet. Donc, ASAE peut être votre partenaire pour vous aider à concevoir un projet ou vous proposer des outils ou développer ensemble, en tout cas, vous aider à avoir cette approche un peu plus globale et transversale et aussi faire le lien avec les différents acteurs qui œuvrent pour une alimentation saine et durable et avec qui nous travaillons. Voilà, juste pour info, la prochaine édition du VAI se tiendra l'année prochaine au mois de mars 2019. Voilà, je vous remercie. Yurana, je suis Marie-Laure, bénévole à la Fédération des associations de protection de l'environnement, dont le nom tahitien est Teoranho, et plus connu sous le nom de FAPE. Comme son nom l'indique, la Fédération est un regroupement de 30 associations aujourd'hui. Elle a été créée en 1989, donc ça date. Et la plupart des associations membres sont connues. D'ailleurs, certaines vont tenir des ateliers avec vous pendant ce séminaire. Donc, elles sont plus ou moins d'importance, plus ou moins grandes. Elles sont plus ou moins spécialisées. Elles agissent sur toute la Polynésie ou sur des quartiers ou des communes en particulier. Alors, l'objectif commun de ces associations, on a essayé de le résumer dans la phrase qui suit. Donc, ces associations veulent toutes protéger les écosystèmes et s'intéressent à notre mode de vie. On n'est pas uniquement que dans la biodiversité, dans la protection des tortues, des petits oiseaux, etc. On est aussi dans l'adaptation de notre mode de vie en termes de consommation et de production pour qu'à la fois la biodiversité, les paysages, notre qualité de vie, notre cadre de vie et en particulier notre santé pour tout ce qui concerne par exemple l'alimentation bio, le bruit aussi puisqu'on a l'association Teoraho qui est membre de la FAPE. Et puis un élément important, c'est les usages culturels. Donc, en Polynésie, dans les îles en général,
sont étroitement liés à la nature, à la bonne santé, à la conservation de la nature. Donc, tout ça et nos ressources doivent être préservées pour les générations futures. Donc, c'est un peu les différents champs d'action sur lesquels travaillent nos associations. Alors, le bureau, on est tous bénévoles. Notre président est Winnie Kissage, que vous connaissez peut-être, qui était président du CESC pendant 2 ans. Nos missions, donc, telles que précisées par nos statuts, c'est donc de regrouper et coordonner la vie associative, être l'interlocuteur des instances territoriales, des pouvoirs publics. Donc, on représente les associations au sein de différentes commissions consultatives, comme la commission des pesticides, la commission des installations classées, bref, un certain nombre d'institutions au CESC. Notre rôle est également d'informer à la fois les associations, mais également le grand public sur les problèmes majeurs d'environnement, donc une mission d'information, d'éducation à l'environnement, si on veut l'élargir, et aussi gérer des actions d'intérêt général. Alors, parmi ces actions, l'une d'entre elles qui va être développée, je pense, par Pascal. On est partenaire, on n'est pas maître d'ouvrage, mais on vient en soutien à la démarche d'Air Marine éducative. Donc, notre rôle, c'est en fait d'organiser le développement de 5 Air Marines à Tahiti, enfin 4 à Tahiti et 1 à Rarotonga. Donc, on est partenaire puisqu'on assure cette organisation. On a pu recruter une personne à mi-temps pour cela, grâce à des fonds européens, donc du programme BEST, des fonds de l'Union européenne. Ce qui nous permet cette année d'être partenaire de la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement et de l'Agence française pour la biodiversité. Donc là, c'est des photos du déplacement à Rarotonga et donc la mise à l'eau des enfants. Alors, sachant que en gros, la démarche, c'est qu'il y a un état écologique initial. C'est en fait cette phase qui est coûteuse, puisque ce sont des scientifiques qui viennent faire l'état du lagon. Ils ne le font pas bénévolement. Et tout ça en lien avec la classe, l'enseignant, les élèves. Il y a une restitution de cet état écologique. Et donc, les actions à mener, soit pour améliorer l'état de santé du lagon, pour mieux le préserver, voilà, c'est selon les situations. Les 4 AME, il y a celle de Rarotonga, donc au Tuamotu, les 4 AME de Tahiti, Mahina, Pirae, Punavia avec l'école de plus 2, et travaux avec les IME. Un autre projet, en lien avec l'éducation, mais cette fois-ci des adultes, c'est une formation d'éco-sentinelles qu'on a baptisé Heimatara. Donc, ce sont des bénévoles qui veulent mieux connaître les différents domaines de l'environnement. Donc, pendant une semaine, ils assistent à des modules de formation que l'on dispense. On travaille plutôt avec les communes. Donc, on a formé des éco-sentinelles dans chacune des 5 îles australes. Et également à Punavia, avec la commune de Punavia, peut-être bientôt Mahina. La commune de Mahina demande aussi à ce que... Donc, c'est basé sur le volontariat. Hein, et ça nous fait des référents. Et ça peut faire à vous des référents pour vous aider à monter des actions dans le domaine de l'environnement dans vos classes respectives. Heimatara travaille aussi en connexion avec le réseau Heimoana. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Heimatara. Heimatara étant plus généraliste, Heimoana plus centré sur la préservation des lagons et de l'océan. Un autre sujet auquel s'intéresse la FAPE, c'est celui des rivières. Donc avec une idée lancée, tout comme on a des aires éducatives marines, pourquoi pas des aires éducatives cette fois-ci côté terrestre, donc autour de nos rivières.
Un projet sur lequel on s'est engagé avec les services du pays, c'est la valorisation de la construction en bois, donc la filière de bois local, notamment. Et on a pu avoir des fonds grâce à un programme du ministère de l'Écologie nationale qui s'appelle PACTE. Et donc, on vient de démarrer. Donc, il y a une partie étude pour développer l'exploitation du bois local et surtout son utilisation, inciter à construire en bois. Alors, pourquoi ? C'est un lien, en fait, avec les rivières, parce que les extractions en rivière et les agrégats qu'on va y ponctionner, ça sert essentiellement à nos constructions. Or, le bois est une ressource renouvelable, alors que les cailloux, comme chacun le sait, ça repousse pas. Donc, l'idée, c'est... Nous sommes partenaires et nous souhaitons mettre un faré en bois local comme faré témoin de démonstration avec les autres partenaires, bien sûr, pour la partie bioclimatique, énergie, etc. Donc, pour ça, on travaille avec la DHV, c'est un nouveau service délégation à l'habitat et à la ville, l'OPH, le CEFI, la Direction de l'agriculture, l'ADEME et le service de l'énergie. Un autre projet qu'on va mener cette année, c'est une étude participative sur les mangroves. Alors, c'est un projet ponctuel. En fait, une opportunité s'est présentée avec toujours le ministère de l'Écologie nationale qui a lancé un concours qui s'appelait Mon projet pour la planète. Et donc, on a présenté ce projet exclusivement biodiversité, donc qui est très centré sur la préservation d'éléments naturels. En fait, la mangrove, c'est assez particulier puisque c'est une espèce introduite en Polynésie. Donc, à l'origine, elle ne poussait pas naturellement. Dans les années 30, quelqu'un a fait des essais sur Moorea et l'espèce est étendue sur 6 îles de Polynésie, Tahiti à la Presqu'île et aux îles sous le vent, en plus de Moorea. Donc, grâce au vote, on a eu presque 500 votes. Notre projet a été sélectionné. Et donc, on va pouvoir mener cette étude avec un scientifique de l'Université de Nantes et nos associations. Et l'idée, c'est d'impliquer aussi les guides. Enfin, bon, c'est un projet d'étude participatif. Alors, d'autres projets en cours, l'aménagement de sentiers de randonnée. Cette fois-ci, on n'est pas tout seul. On s'est regroupé en fait au sein d'un collectif qui s'appelle PEMOA, donc qui comporte les associations de randonnée, mais aussi les guides professionnels, dans un objectif de pouvoir d'avoir plus de sentiers aménagés, entretenus et accessibles au grand public. La permaculture aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille d'ailleurs avec Biofénois. Monfaré durable, c'est une petite opération sur Punavia qui consiste à expliquer aux familles, notamment aux familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, les produits de nettoyage, d'entretien de la maison, ou des produits d'hygiène qui peuvent être fabriqués de manière économique à base de produits naturels. Et puis, on a aussi pour cette année un échange avec des étudiants, avec l'université Brigham Young University à Hawaï. Donc, il y a un groupe qui va venir notamment sur le terrain côté montagne avec un projet qui est de préservation du plateau Maretia au plateau des Orangers de la Punaru. Et ils feront aussi une semaine côté mer. Et on espère que l'échange sera réciproque et que nos étudiants pourront aller à Hawaï sur des actions, des éco-chantiers similaires à Hawaï. Nous organisons de temps en temps des événements. Donc le prochain, c'est la Journée mondiale de l'océan. Dans la date officiellement décrétée par l'ONU est celle du 8 juin. Donc, plusieurs animations proposées, des conférences, un concert gratuit, un village d'associations qui va se tenir le samedi après-midi au parc Paofei. Et vous trouverez plus d'infos sur notre page Facebook et sur notre site internet. Maruru.
Messieurs, dames, bonjour. Courage, c'est la dernière intervention avant la pause. Donc, je suis chargée de vous présenter les activités de la Direction de l'Environnement. Donc, la Direction de l'Environnement est un service qui a été créé en 2003 et qui succède à la Délégation à l'Environnement. Donc, ces missions s'articulent autour de quatre thématiques, donc, qui sont la gestion des installations classées, la protection des milieux et des ressources naturelles, la gestion de la biodiversité et l'éducation à l'environnement. Alors les installations classées, juste pour vous expliquer, donc, en fait, c'est donc la partie pour laquelle donc, la direction de l'environnement est au contact avec les entreprises, puisque donc, toutes les activités pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour l'homme ou pour son environnement sont soumises à une autorisation préalable d'exploiter. Voilà. Au niveau de la protection des milieux et des ressources naturelles, les activités du service s'articulent autour de deux grandes thématiques qui sont l'eau et les déchets. Donc, au niveau de l'eau, donc l'eau et l'assainissement, nous travaillons sur les eaux souterraines. Donc, il y a un programme actuellement en collaboration avec le BRGM qui s'attache à faire le recensement et proposer des pistes de gestion des eaux souterraines de Polynésie. Nous travaillons également sur les eaux de surface, donc typiquement les rivières notamment, où nous faisons des diagnostics et des actions de préservation et éventuellement de réhabilitation des berges de rivières en collaboration avec la direction de l'équipement. Et enfin, sur ce volet, nous avons une thématique assainissement des eaux usées, où en fait ici on vient plus en accompagnement des communes qui ont la compétence eau usée, et donc on les accompagne lorsqu'ils ont des projets qui sont financés notamment par l'Union européenne, donc dans la mise en œuvre de leurs projets réalisation d'infrastructures. Oups, donc la partie déchets ne rentre pas sur l'écran. Donc en fait, on s'occupe des déchets ménagers en appui aux communes qui ont la compétence de la gestion des déchets ménagers. Mais la Polynésie, en fait, est partie prenante du syndicat mixte Fénouam, donc qui gère donc, les déchets ménagers des îles du Vent. Au niveau des déchets dangereux, typiquement, c'est une compétence du pays. Donc, en fait, c'est la direction de l'environnement qui gère les piles, batteries, huile usée, carcasses automobiles et notamment le rapatriement des archipels. Au niveau gestion de la biodiversité, donc nous travaillons bien évidemment sur la faune et la flore protégées, donc faune et flore terrestre, avec trois thématiques principales qui sont les oiseaux, les partulats et les végétaux. Et au niveau marin, donc, bien sûr, les fameuses espèces emblématiques qui sont les baleines, les tortues et les requins. Au niveau des espaces protégés, nous avons des espaces qui sont classés au titre du Code de l'environnement. Donc, nous avons une grande liste d'espaces classés. Mais aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur Tefaïti à Papeno et au niveau marin, sur la réserve de biosphère de la commune de Fakarava, ainsi que sur l'espace maritime protégé de Tiopo. Au niveau éducation à l'environnement, donc aujourd'hui, nous n'avons pas de cellule dédiée à l'éducation à l'environnement, alors qu'elle existe sur le papier. Aujourd'hui, ce sont les chargés d'affaires sur les différentes thématiques qui, en fait, prennent à leur compte les actions de communication. Donc, nous vous proposons une grande diversité de supports imprimés ou téléchargeables. Il y a des kakémonos, certaines séries de kakémonos qui sont disponibles en prêt pour les écoles. Donc sur différentes thématiques, hein, l'observation des mammifères marins, thématiques rivières, les espèces envahissantes avec notamment la petite fourmi de feu.
Et nous développons également des outils pédagogiques en collaboration avec la DG2E. Donc cet après-midi et jeudi, vous seront présentés deux ateliers sur donc, la mallette pédagogique de l'eau et également sur un nouveau kit éducatif sur la biodiversité des rivières. Voilà. Alors il y a un autre kit qui est en cours d'élaboration sur le milieu marin, essentiellement basé sur la réserve de Fakarava. Et nous travaillons également, nous essayons d'organiser des événementiels. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement une journée qui est la journée mondiale de l'eau qui est célébrée directement par la direction de l'environnement, en sachant qu'on travaille également en appui avec d'autres partenaires et associations pour d'autres événementiels. Voilà, donc j'ai fini. Merci à tous. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la chance d'avoir la SOPMANU. Donc comme ils interviennent, ils ne sont pas disponibles ce matin. Nous avons aussi FENUAMA qui est prévu dans les partenaires. Et nous avons également la Marine nationale. Parce que vous savez que cette année, c'est le 250e anniversaire de la présence de la Marine nationale en Polynésie avec l'arrivée de Bougainville en 1768. On aura la chance d'avoir Gonzaguezier jeudi pour une intervention autour de l'action de l'État en mer. Hein? Et FENUAMA, qui est notre partenaire que vous connaissez bien à travers Tahoe Tiaporo, qui aura lui aussi un moment avec vous en collectif.